Je relance une VOD. Petite coquine cette VOD, mais tout ça. Je comprends rien de ce que tu dis, je croyais que tu me parlais en vrai. Je parlais à la VOD. Voilà. Donc un peu à toi, Trappy, si tu la regardes. Ça se rapproche un peu d'Inception. Ouais, mais avec les souvenirs. Bref, bonjour à VOD, on est sur la suite de Benedict and the Last Case of... The Last Case of Benedict Fox, voilà. Je sais bien. Et là, on va se téléporter dans les limbes parce qu'apparemment, il faut qu'on explore le Magnum. Magnum de notre père. Je sais pas si c'est tout à fait un Magnum, mais nous allons l'explorer. Ça, c'est... on va l'explorer tout bien. Voilà. Non, c'était là d'où je reviens. Ah, je peux descendre. Bon, on va essayer de voir. Ah oui, il fallait que je monte voir la femme. Ah, mais là, je peux, là. Ah, je pouvais pas tout à l'heure. Let's go. Ah, l'interaction était courte. Ah, c'est une femme. Il a dit tout à l'heure que c'était une femme. Mais là, moi, je vois des mains et... Un peu, vite fait un visage. Vite fait. Là, il y a une porte. On va voir ça. Magnum double caramel, là. Oh, vous savez ceux qui ont du caramel dans le chocolat du Magnum? C'est-à-dire, t'as un Magnum genre chocolat classique, vanille à l'intérieur, mais entre les deux couches de chocolat, t'as du caramel. Trop bon. Oh, d'accord, je peux faire un saut de fou. Ok. Alors, je crois que j'étais pas allé par là. Non, je n'étais pas allé par là. Ouh, très chatoyant. J'ai peut-être mis les contrastes, enfin les couleurs un peu trop pimpées, là, un peu trop boosted. Mais pourquoi pas? On a besoin de couleurs un peu parfois. Est-ce que là, si je tombe, je meurs? Bah, de toute façon, j'étais déjà tombé au moment où de finir cette phrase. Ah, encore un... Ah bah elle est encore là. Je peux rien faire, je peux même pas interagir et tout. Bon, ce sera plus tard. J'imagine qu'on aura un truc à faire plus tard. Attendez. Je sais pas du tout ce que j'ai fait mon perso. Ah oui, voilà. C'est parce qu'avec des trucs au premier plan, je vois rien. J'aime bien les mobs, en vrai. Je les trouve cool. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un mob d'un jeu, d'un autre jeu que j'ai déjà vu dans ma vie, mais je n'ai pas. Je vais suivre les miroirs pour le moment. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je pense que c'est une bonne chose, en tout cas. Dommage qu'il n'y ait pas une petite ambiance un peu plus sonore. Ah si, ça commence à débarquer, j'aime bien. Un truc à voir au loin? Oh oui! Méfie-toi de l'ennemi devant toi. C'est un reflet. Autant un miroir se nourrit de l'image, autant les démons se nourrissent des émotions des gens comme moi. Benoît, parce que j'ai décidé de t'appeler comme ça, bro. Attends. Oh, je vois rien. Ça, c'est l'enfer, ça. C'est quand même bien l'enfer, ça. À partir de maintenant, Bénédicte prendra note des observations concernant les ennemis rencontrés. Merci. Ça, c'est sympatoche. Oh, cool. Regardez les petites araignées, là. Trop mignonne. Ok, on a un point de TP, c'est nice. Les petits décors en arrière-plan là, tellement frustrant qu'il n'y ait pas de 3D. T'as vraiment... Là, j'ai envie d'aller voir là-bas là. Attends. Ah oui, elle est baïonnée.
Je me fais penser à un mix entre Ori et Medium dans les décors. Mais Medium, j'avais pas pu aller très loin parce qu'il buguait trop. À l'époque où j'avais testé. Enfin, moi, ça me faisait bugger de fou. Allez. Où je vais? Oh. Ah ouais, d'accord. Oh, elle joue. Ok, donc c'est pas par là. Celle qui crie peut-être. Bon, je vais tous les tester. Curiosité scientifique. C'est celle-là. Oh, on l'a sauvée ou pas? Oh punaise, elle me hurle dessus tellement fort. Il va y avoir un boss. Pendant que je fais ça. Bah non, pire, il y a des mobs normaux. Attends. Oh merde. Pareil, c'est ça. Ok. Bah c'est des lents du tout là. Ah mais faut peut-être que je me TP depuis là. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Du coup, c'était elle, non? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai rien dit. Oui, j'arrive, j'arrive. Je fais si je peux, hein. C'est l'air horrible, ça. Bon, ouais. Elle? Non. Non, c'est à droite. C'est elle. Je me suis fait buter. Banni. Oh merde. Alors c'est ça qu'on... C'est ça qu'on voit quand vous agissez les modos. Violent un peu. Je sais pas où j'étais. Entrée du refuge à la bibliothèque. On était à la bibliothèque? Non, on était à la bibliothèque. On était là. Comment je sais où j'étais? Ça ressemble à une bibliothèque, on est d'accord. Bonjour. Les bruitages sont très 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 très... Ah non, c'est pas là. Hein. Non, c'est pas là. Hein. Mais j'ai vu un TP avant ou pas? Je suis même pas sûre, moi. Je suis pas sûre. Hein. J'ai testé celui-là. Mais je me rappelle pas. Faire une vignette vidéo de banni à chaque fois qu'un mec est banni. Ce serait stylé, j'avoue. Ça aussi, ça sent stylé quand t'es banni. Salut Hertz! Vous va? Merci beaucoup. C'est par là? Mais je sais pas où j'étais moi. Si, c'était ça. C'était ça, si, si, je me rappelle. De l'arrière-plan un peu stylax et tout. I remember that. Oh, merci beaucoup Hertz! Merci pour le reset! Plus de 2 ans. Tu me suis. Bientôt 30 mois, merci beaucoup. Merci. Très gentil. Comment ça va? Bah ça va mieux, hier j'étais pas track de fou. J'étais pas trop track, là je suis un peu plus track. Mais elle, elle est pas track, elle. Et du coup je découvre The Last Case of Benedict Fox. Un jeu très mystérieux et intriguant. Je joue en normal. Lui va me saouler. Arrête! Ça va être trop long. Je vais garder mon shoot là. Donc j'allais là. Je vais garder mon pipiou. Il a l'air incroyable. Il est très stylé. Effectivement. Et apparemment, il est sur Game Pass. J'ai mis à peu près 10 minutes à tirer. Bizarrement, le mob il a bougé entre temps, ça se fait trop pas.
Ah merde, non, bah non. Non. Mais non, ah oui, voilà, fallait que je fasse ça. Et là, j'allais de l'autre côté. Et du coup, là, c'est bon. J'ai une hauteur pas trop chiante. Et là, je peux atteindre la dame qui crie, qui est ici. Donc, on va la recevoir. Faut pas s'appuyer ou faut que je spam, hein, pour... C'est bizarre. Je spammais vraiment en permanence, mais des fois, ça annulait un peu le truc. Donc, il va y avoir des mobs. Je me suis trompée de touche. Ça y est, ça saoule. Merde! Je crois que c'est... Ah, je peux faire R! Je sais pas ce que c'est. Ça va, celui-là il se gère. Donc je vais refaire celui-là. Oh. Est-ce que d'ici... Non mais d'ici je pense que je vais pas réussir à les viser. Ah il me défonce! S'il m'avait esquivé, on va où là, sérieux? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. YOLO, c'est une meuf qui esquive. Ouais, j'avoue. Je pense aussi qu'en plus d'esquiver, ils ont plus de vie que moi. Mais ils font plus mal. Je pense sur les pires mobs du jeu. Mais oui, je m'étais jamais encore fait taper par eux. Oh, le bruitage là, par contre, il est trop fort. Mais c'est pas le bon TP, si? Il me remet là automatiquement, mais c'est pas top. Je crois. Oh, faut que j'aille là, c'est beaucoup plus proche. Ouais, faut que j'aille là, ouais. Hein, de quoi? Non. TP moi. Eh oh. Non. J'ai fait sauvegarder, je voulais pas. Non, mais je voulais faire B, mais en ce moment je joue à Breath of the Wild, enfin Tears of the Kingdom, et du coup B et A sont inversés dans l'autre manette. Alors là, je voulais faire juste B pour revenir en arrière, sauf que j'ai fait A parce qu'en fait sur l'autre manette, B c'est en bas. Bref. Moi j'ai l'impression qu'une femme gémit dans ce jeu. Alors c'est même plus que ça, une femme enfermée dans un miroir, il faut qu'on suive ses cris pour essayer de la libérer. Voilà. C'est pour ça qu'elle crie parce qu'elle est enfermée. Oui, c'est simple, merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Effectivement. Ok. Les points d'ancrage sont un peu loin. Peggy 18. Non, là, il y avait rien de chelou dans ce que j'ai dit, bande de fous. Non, je... Merci pour le nom des gâchutes, c'est gentil quand même. Ça, c'est sympa. Ok, on y est. Allez, avance. On s'emmerde pas avec les TP, juste on y va. Tiens, je coupe d'épée, je pas fait exprès. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, c'est gentil. Ok. Là. Si je me TP là, je crois que c'est bien. Ah non. Peggy 18. Mais arrêtez avec les cris! Elle souffre, bordel! Bande de dégénérates, celle-là! Ça m'a one shot? Non, mais. Vas-y, là, ça m'a one shot. Je peux pas ne pas les tuer, en fait. Je voulais juste aller vite. Je fais ce que je peux. J'entends, hein. J'entends le second degré dans ces félicitations. Retourne jouer à Zelda, toi. Ah,
Je vais y aller petit à petit, je vais pas être précipité. J'avoue, ces cris sont très forts, ça me prend la tête un peu. Peut-être baisser un peu le son du jeu. C'est trop relou. Non. Ok. Depuis quand ils sont 15 mobs ici? D'habitude ils sont que 1. Oh putain. Ah, pauvre qui gueule, mais j'en peux plus. J'en peux plus de vous. Je sais pas. Allez. Oh putain. Je vais mettre... Attends. On va essayer hein, si je peux. Mais je peux pas en face de boss, c'est insu. Bon, j'ai baissé son du jeu pour vous, mais je peux baisser plus s'il faut. Calmez-vous. Voilà, eux, il faut pas que je laisse me toucher, sinon ils me one shot. Nice, je suis tombée. Oui. Et si je vais là? Ah bah ce serait une bonne idée hein. Ah, il me défonce. Mais ça va être très compliqué là. J'essaye de parer mais je sais même plus les touches sont chiantes. Moi ça va le son, c'est toi qui assume pas. Ah mais moi ça c'est très fort dans mes oreilles donc oui j'assume pas ouais. Effectivement, bizarrement, des hurlements forts dans mes oreilles, moi ça me gonfle. Mais je peux baisser que pour moi. Si vous, après, vous me dites que le son est bien pour vous, bah je baisse que pour moi et s'écoute. Si vous me dites, ah non, pour nous aussi c'est insupportable, on pète un câble, et ben je baisse aussi, aussi pour vous. Mais moi là j'ai bien baissé là. En vrai, c'est pas INFE accent aigu le meilleur. Hey, il a pas voulu le lire, un fait, hein. INFE accent aigu, bah oui. Putain. Chialé. Oh, j'ai... Non, mais là, c'est mort, là. Je suis tellement dead. Merci. Pff, trop chiant. Mais bordel, j'en peux plus. Mais ils sont insup. Ils te défoncent tellement. Et tout à l'heure, j'en avais que deux. Pourquoi maintenant, j'en ai que trois? Des mobs à tuer. Et puis il y a chargement quoi. Chargement, puis on se téléporte parce que... Ah non c'est bon, je suis au bon endroit. Parce qu'il me fout au mauvais endroit souvent. J'arrive même plus à escalader, j'étais tous les jeux de plateforme. Évidemment si c'est lui le best INFE accent aigu. Tant que ma femme descend pas l'escalier en disant « Tu regardes quoi à la télé, là ?» Ah quand même, désolé, mais bon, les hurlements... Là, ça va, moi, je trouve pas que ça ressemble à quelque chose qui ressemble à un moindre plaisir, tu vois. Ah
INFE accent aigu. INFE accent aigu. INFE accent aigu. Je te prie, Cyril. Ok. Mais ouais, mais je vois plus ma barre de vie. J'aime bien savoir si je dois me régénérer ou pas. Merde. C'est au-dessus de ciel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Martien. Ok. Trapule. Allez, viens, suis-moi, toi. Moi, je m'en occupe de un. Ah, je sais pas comment voir de la vie. C'est trop dur, ça va être très dur. Je sais pas si je vais aller au bout de ce truc, quoi. Ils font quoi, les modos? Ils s'amusent. C'est Non, mais pour une fois... pour une fois, Infernalou, il fait pas dodo sur son canapé. Pour une fois, Trapide, il est là. Voilà, quoi. La map t'a aidé à partir... Non, mais j'y peux plus. J'ai pas assez. Et mouru. Mais oui, j'arrive plus. J'arrive pas là. Il est... En fait, je préfère largement un énorme boss, un sup, plutôt que plein de petits mobs encore plus un sup. Comprenez? Lundi, on dort pas. Quel rapport? Comment ça, c'est lundi, on dort pas? Non, j'ai raté. Alors là, je m'en veux. Ah, y'a pas de frame d'invulnérabilité même quand je me relève? Nice. Allez, lui. Oh le. J'ai pas de frame d'invulnérabilité. Aucune chance de ne pas mourir du coup. Dieu passe en l'heure, je vais me coucher. Ça marche. Bon l'heure, Cyril, bonne nuit. On poste bien, j'espère que les hurlements seront... Tu me dis, la meuf fait des hurlements. Je peux baisser encore le son du jeu pour que ce soit un peu moins fort. J'ai 64 trucs, j'ai 60, je pourrais pas augmenter ma popo. C'est ça que j'aimerais, mais je peux pas. Ouais, super les préjugés, je vais dans mon canapé pour la peine. Allez, sors. Grisouyouyou. Text to speech, y'a plus personne qui l'a utilisé du mois. Là, c'est la foire. Ok, c'est géré. Non mais ça tue le mob là, c'est bon. Ta mère. Ça reset les mobs si si je retourne au point de TP pour régénérer ma vie, je pense que oui, ça régène toute la salle, je pense. Je peux peut-être même ça pas y aller. Beaucoup de you-you pour un seul grison. Nice.
Non. Non, j'ai envie de crever. Ça m'a tué. J'ai envie d'y aller. Ah oui, Amitou, je veux bien l'info. Imaginons, je commence cet événement et à un moment j'ai plus de vie et je veux vite faire aller me régénérer et revenir. Ça annule tout ce que j'ai fait durant l'événement. J'imagine, il faut que je recommence l'événement à zéro. C'est comme un... C'est comme les feux de machin dans Elden, là. Les... comment on appelle ça? Les machins sacrés ou je ne sais plus quoi. J'imagine. Vous saviez, hein, si vous voulez utiliser le text-to-speech, vous en avez un magnifique avec un accent. Avec les beats. Oh, je sais pas quoi. Je sais plus l'accent que j'ai mis. Oh, c'est italien, mais je suis plus sûre. Nice, il m'a bouffé le huc. Il me touche quand même, putain! Arrive pour la fin et ça parle d'Onkai. Prochaine messager de @loxtv. Comment ça? Recherche désespérément des modérateurs. Les miens sont complètement cons. Please aidez-moi, JPP. C'est dur ce soir. non, j'ai pas parlé d'Onkai du tout. Bah, surtout que j'y ai joué 20 minutes, alors je... Non, non, vraiment pas. J'ai oublié de mute le stream avant. Mute? Pourquoi on a dit quoi de qui vaille un mute? Oh putain, ouais, je suis morte. Là c'est une salle de boss, donc la porte se ferme. Ah, tu peux pas. En revanche, quand tu recharges juste des objets et tes PV dans le jeu normal, pas le boss, ça ne reset pas les mobs. Merci, d'accord. Tant que tu TP pas. D'accord, merci. Il était en miniature pendant que je partais d'ailleurs. De quoi? Mais de quoi tu parles, Sigmund? Je comprends rien à ce que tu racontes. Mais je peux te garantir que on Kai Star Rail, j'arrive même pas à le prononcer. J'y ai joué qu'une seule fois le lendemain de la sortie. Pendant 20 minutes et c'est tout. Ah, le stream qu'il a regardé avant. Ah oui, d'accord, pardon. Ok, je comprenais rien à la phrase, excusez-moi. Pas facile. On vient au troisième caillou, je crois qu'il y avait un Korogu. Là faut que je bute ça. Là j'ai pas le temps, y'a aucune frêle. Voilà. Hop. Mais il s'arrête jamais en fait. Genre juste il spam et je peux jamais rien faire. Connard. Oh lolo. Non. Peut-être faire celui-là plutôt. Ok. J'ai mon pistolet. Enfin, j'ai des balles quoi. J'ai une balle. Allez. Là. Hop. Ouais, je pense que je vais mettre un peu moins fort pour vous quand même. Allez. Inutilement trop long en fait. Lui, je vais le garder en bas.
Voilà, au moins j'en ai eu un. Mais putain, sérieux, vraiment? J'ai essayé de partir, j'ai jamais réussi. Ça voulait pas. C'est insupportable. Il vaut un corps au goût qu'un corps au pied. Une balle, c'est ballot. Mais c'est surtout pas beaucoup. Le spawn kill, ouais. T'as pas de frame d'invulnérabilité et des mobs te spawn kill à la sortie du TP. En fait. Genre, tu n'as même pas vu l'écran que tu es déjà mort. C'est sympa, mais c'est un peu à chier. Je sais pas si on ira au bout du jeu, pour être honnête. Je suis pas sûr. Ok. Je peux pas, je peux rien faire. J'ai juste envie de crever. Voilà. Alerte, on n'ira jamais au bout, t'as envie de quitter depuis un moment déjà. J'ai pas envie de quitter, j'ai envie de passer cette zone quoi. J'aimerais bien comprendre le jeu quand même avant de quitter. Il y a trop de trucs que je comprends pas pour le moment. Bon, j'essaye d'augmenter mon skill. Celui d'en haut, j'ai compris, faut que je fasse après pour me recharger en balles. T'es mal. Si je me TP là, ça m'emmène où? Je m'arrange pas trop, je crois. Et là. Là, je crois que c'est un traquenard, là. Juste pour m'augmenter. Là, si je vais là. Me casse. Oh putain, vraiment! Il m'attend à l'atterrissage, c'est ouf! Le truc, c'est que faut que je les attire parce que je pense que j'aurais pas la portée sinon. Si, quand même. Ok. Ok.
Franchement, je vais vite, hein, pourtant. Mais c'est de pire en pire. Et là, par contre, on t'entend plus, là, hein. Merci d'être venu hier. Je m'appelle Bénédicte Fox, madame détective. Détective. Vraiment de la chance. Oui. Pas besoin de faire semblant pour vous voir. Je peux vous voir tous les deux. Je peux en juger par les apparences. Vous n'êtes pas un duo ordinaire. Fascinant. Merci. J'aimerais discuter plus longuement, mais j'ai terriblement besoin d'un bain. Et là, on l'entend vraiment plus. Elle hurlait comme pas possible maintenant. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. C'est gentil. Merci. Ouais, son hurlement en boucle, honnête personne. Effectivement. Non, mais par contre, assez horrible. Ouais, les dialogues, tout ça. Un peu de son, un peu de trucs, ce serait bien. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est fait. C'est bien. Mais en vrai... En vrai, est-ce que ça en a débloqué un truc, quoi? Là, j'ai un truc à faire ou pas? Se téléporter. Ok, ok. Ah, il y a un truc en haut à gauche. Non, pas du tout. Il y a pas du tout un truc en haut à gauche. Oui, non, pas du tout. C'est là le TP et c'est là d'où je viens. On va descendre. Justement, elle a plus de voix. Sinon, merci, non? Je crois qu'elle a dit non. Non, peut-être pas. Au tout début, j'ai pas... J'étais pas concentrée. Eh ben, ok. Bah, je peux pas encore y aller, alors. Ah non, si. Je me suis TP comme une couillonne. Interagir. Au moins. Wow. Je connais censé de Lilien, ça. Note du Mystery Room. Non, pas cela, c'est des connards et je ne joue pas avec eux. Merci beaucoup, waouh! Pour le raid, est-ce que je peux avoir un petit slash shootout, s'il vous plaît, pour Roi Ours? Merci beaucoup. Qui était sûr? Attends, j'ai vu un peu et puis j'ai oublié. Qui était sûr? Escape from Tarkov. Ah ouais, d'accord. Oh ouais, d'accord. On est sur quelqu'un, qui aime ne pas forcément prendre de plaisir. On sait que c'est dans quel sens? Je plaisante évidemment. Merci beaucoup. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je crois que je vais faire une capture d'écran. Comme ça, je m'emmerderai pas à ressortir le truc. Hein, voilà. On a qu'à dire que... Je sais où c'est la porte à côté de la cuisine. J'ai relancé la musique, je peux faire exprès. J'étais en train de me dire, wow, la musique d'un coup toute smooth et stylax là. Non, pas du tout. Arrête de faire ton fou. Interagir. Donc là, moi, je peux rien faire. C'est une porte. Je peux rien faire pour le moment. Mini 15 locks, change la VOD. Ah bah non, pas du tout. Ça fait que 39 minutes. C'est pour se coucher énervé, sinon je dors pas bien. Oh mon dieu. Attendez, faut que je passe dans le monde normal du coup. Hop là. Voilà. Ça va, ça s'est bien passé? T'as joué solo ou pas? Nous on est sur une découverte indé. The Last Case of Benedict Fox. C'est un Metroidvania d'enquête un peu... Un peu chelou. Pour le moment, il y a plein de trucs que je comprends pas. On verra si ça change un moment ou pas. J'ai un peu trop baissé le son. Peut-être j'augmente un petit peu. Et je vais... Non, c'est bien. Et je vais ouvrir ça. Ça me gratte. Voilà. Attendez, je regarde ma capture d'écran. Parce que flemme. Alors. Ah, c'est à l'envers. Nice. Du coup, il est bien. Ça, du coup, il serait comme ça. Et ça, du coup. Voilà.
Je l'avais pris en photo à l'envers, mais ça va. Je leur casse toutes. Et ben bon leur Kirito. Comment ça, elle a pas oublié de danser à VOD? Non. Bon, pour ce jeu-là, j'oublie rarement sans multicredit ou parfois j'oublie quand on attend un trapide pendant 45 minutes, par exemple, et que du coup, bah, la VOD que j'avais lancée, je l'ai annulée. À moitié rouillée, à moitié restaurée, imprégnée d'autant d'espoir que de résignation, s'annulant mutuellement jusqu'au seuil de l'obsolescence. Maintenant, les voix chuchotent. Je vais peut-être augmenter un petit peu, c'est plus rien du tout, quoi. J'ai de la moula, mais pas assez. Un petit peu. Attends, c'est les gouttes ou c'est l'autre truc? Attendez, je vais voir. On va essayer d'avoir une amélioration de la popo. Enfin, mystérieuse, on va lui demander, tiens. Sacrée prise, hein. Créature vraiment étonnante. Hors du commun, pourrait-on dire. La femme? Ah ouais, on est sur ce... On est quand même sur le champ lexical de la chasse ou de la pêche, là. C'est flippant. Améliore la quantité, augmente le nombre d'utilisations. Bah, je vais faire la quantité, déjà. Oui. Hop là. C'était important. I've got what I needed. Till next time. C'est le jeu, si on se perd, c'est que ça se passe bien. C'est une bonne manière de voir les choses, finalement. C'est joli, hein. C'est quand même très joli. C'est l'une des plus grandes qualités du jeu, mais du coup, bah... C'est ce qui me fait rester aussi, franchement. Mandragore. Un ingrédient alchimique très rare et très puissant. Elle a dû cesser à l'alchimie. Étaient donc les deux très doués. Étaient-ils membres du premier cercle? Ils étaient donc très doués parce qu'ils ont essayé un truc. Ça veut pas dire qu'ils ont réussi, bro. Hein. Ils ont peut-être du FMA, ils se sont dit oh, moi aussi je veux tenter. Ça marche pas forcément. Skipper Tarkov comme un chouïa frustrant. J'aime pas le concept de me faire tuer à 10 minutes du point d'extraction par un campeur. Mais oui, non, mais voilà, c'est ça. Elden Last of Ring Benedict Fox. Et en parlant de ça, il va y avoir un jeu Gollum là. Je sais pas s'il jouerait. Ah, j'ai pas assez de clés. Bah, je pense que je vais pas pouvoir de toute façon. Clé moins clé, clé, clé. Égal. Et si je mets des clés, ça fait quoi juste pour voir? Clé 100 dans l'inventaire? Hein? Clé 10 retirée de l'inventaire. Ah d'accord! Ah ouais, ok. Celle-là, ok. C'est une. Okay, mais de toute façon, genre, il m'en manque une. Donc moi je veux bien, mais j'ai pas celle-là. Oh non, mais je vais les reprendre peut-être. Au cas où. En quoi de Legacy, tu continues en live ou c'est mort? Non, c'est mort. Franchement, au bout d'un moment, j'ai perdu tout intérêt. Puis j'ai tellement de jeux là. Désolé, mais quand t'as Tears of the Kingdom, qu'est-ce que tu veux jouer à autre chose hors live? Genre, impossible pour moi. Impossible. Sims mort, tout à fait. Le cœur bleu hyper froid, l'esprit et la colonne vertébrale paralysée par la gélure. Personne ne devrait mourir de cette façon. This looks bad. Elle a pas l'air d'aller. Eh dis donc, y a un souci? C'est qu'elle n'est pas ma mère, mais je me sens coupable de ne rien ressentir. Tu sais comment défaire ce genre de nœud? Va chercher du linge. Va t'aider.
Pourquoi le mot nœud est écrit différemment? Ah, c'est peut-être le E dans l'eau qui était écrit chelou, juste. Cherchez du linge dans la chambre pour couvrir le corps. Let's go. Allez, aidons papa à cacher le cadavre. Oh, mais j'ai que 3 clés. Vous m'embêtez avec ces coffres. Je ne peux pas. I can't. Comme le philosophe. Je vais chercher du linge, mais où? Où est-ce que je puis trouver du linge en vrai? Excuse-moi, t'as les pieds qui touchent pas le sol en fait. C'est chelou. Où aller, c'est devenu grave chiant. Oui, c'est ça le problème. Je suis... effectivement, en fait, en Hogwarts, le problème c'est que maintenant, bah, j'ai plus trop de trucs à découvrir dans le jeu. La quête principale, on s'en fout total. J'ai débloqué tous les trucs stylés. Et du coup, j'en ai profité et tout ça. J'ai continué à explorer et tout. Mais au bout d'un moment, juste, ça devient effectivement extrêmement répétitif. C'est juste la même chose en boucle. Et quand t'as plus ce côté découverte, bon, bah, ça perd quand même. Oh! Rat. Oh! Attendez, on va prendre le drap quand même. J'ai discuté avec ce charmant jeune homme à la bibliothèque. Il m'a donné une idée sur la façon dont je pourrais rembourser ma dette. J'ai presque fini. Trouvons-nous en bas. Ah, la femme mystérieuse, c'est la meuf de papa? Je comprends rien. Pourquoi tout le monde me parle comme si je devais tout savoir? Franchement, What? How? Hein? Ce n'est qu'un tour de passe-passe. Approche, laisse-moi te regarder. Tu feras l'affaire. Tu seras ma toile. Je crois que tu as ce dont j'ai besoin pour te rendre plus fort. D'accord, mais la douche, juste avant. Je comprends rien! Oh, des tatous! HDCMC7! HDCMC7, c'était la mauvaise foi! Le compagnon apparaît sous la forme d'une barrière qui repousse les attaques ennemies. Lui, les effets supplémentaires. Ah, vous voyez pas. Attendez, je vais me déplacer, je me déplace, je déplace, je déplace. C'est pas la meuf de papa. Oh. J'ai rien compris alors. Je crois que j'ai pas compris. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le compagnon saisit un adversaire avant de le projeter. Oh, je préfère ça, moi. Un peu ça. Ah non, je suis obligée de prendre ça d'abord, je pense. Non. This one, ouais. Bon, je suis en train de faire. Mais oui, la barrière, je l'ai déjà. J'ai juste pris une douche après avoir été libérée du miroir. Oh, mais maintenant, elle est là tout de suite. Mais surtout, elle a dit « Oh, j'ai rencontré... Ah, c'est toi, j'ai rencontré quelqu'un. Un charmant jeune homme à la bibliothèque, c'est moi, charmant jeune homme. » Donc elle pensait à parler à qui? À quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'était mon daron. C'est la meuf de papa. La folle pas qu'un mec qu'elle connaît pas rentre dans la salle de bain pendant qu'elle est sous la douche, en tout cas. J'ai l'impression que... Non, elle pensait que c'était papa, hein. Moi, je suis sûre, hein. Ah, j'ai encore plein de points. Compagnon obtient une amélioration de... certaines capacités. Le truc qui passe crème. Nickel. Oh, fais pas des caisses, hein. Oh là là. Ah, 80. Ça sera pas tout de suite. Ok. Ah, son aura. L'aura de la meuf, ok. Oh papa, j'ai le drap papa. On va couvrir le cadavre papa. Moi je fais ça kika et papa. Tatouage. Même tentacule. Comment on fait? Plus d'informations, ok. Compagnon apparaît sous la forme d'une barrière qui repousse les attaques aux ennemis. Non, c'est ça que je veux. Compagnon obtient une amélioration de certaines capacités. Ok. Saisis un adversaire avant de le projeter. Oui, mais comment? C'est qu'elle touche. Il le fait tout seul quand il veut? J'aimerais bien savoir la touche. Bah, on verra ça en combat, hein. Ça tue. Non. Oh bah, elle est plus là. Je viens juste de me rendre compte. Pardon.
On a une corde. D'accord. Je suis pas fière, mais une corde de pendu est incroyablement précieuse pour les monstres comme Harry. J'ai besoin de son aide pour terminer cette affaire. Harry, c'est papa. Hein? Harry, la forêt aveugle. Bon. Je comprends rien. C'est fatigué. Et puis là, t'as marché sur papa. Comment ça, j'ai marché sur papa? On peut pas. Ah oui, papa. Non, pas du tout. Et non. Attends, j'ai pas vu. Il est où, papa? Ah, il est là. Ah, mais non, c'est pas papa, j'ai marché sur. Ah oui, d'accord. Oh, papa. Il a déplacé ici. On va marcher sur papa. Attends que. Faut faire attention, déplacer le corps avant d'entrer. Ça a pu avoir des conséquences. Faut faire attention. Hein? Ah. Il y a des boobs et on juge pas. C'est chelou. Un petit peu. Ah! Je glisse. Ah, j'ai tombé dans sa bouche. Des bisous, Crayon. Oh, bonne nuit. Repose-toi bien. Merde, j'ai tombé dans sa bouche. J'ai tombé. Ah, je suis pas tombé, c'est bon. Exaltant. C'était pas la bonne voix, mais finalement c'était pas si mal. Ceci dit, ouais, top ce jeu. Ça me prenait la drogue, les développeurs. Yeah. Peut-être un truc ici. Non, pas un truc. Ah si, y a peut-être un truc. Ah, peut-être un truc. Porte. Une porte. Comme Ori, ce passage me version horrible. Oui, j'ai pensé aussi à Ori. Mais non, Ori, c'est beaucoup plus dur. Enfin, moi, je l'avais fait après en difficile, Ori. Et du coup, je l'avais pas fait. J'étais pas allé très loin. Je m'avais un peu... C'était pas... C'est pas ce qu'il me fallait, je crois. Y a pas d'interaction à faire ici. Aucun. Oh, c'était beau là! Ok. Une porte. Non. J'ai raté! Attendez. Ça marche pas? Oh là là, je descends, je m'en fous. Oh non, elle va me gueuler dessus, je m'en vais. Ah, je m'en tire! J'ai dit, je me tire. Arrête! Comment j'utilise le nouveau pouvoir de mon truc? Parce que moi, je sais pas, hein. J'ai censé avoir une tentacule qui sort. Pour le moment, point de tentacule, hein. Oh le cul! Je lui laisse le cul! Arrête! J'ai eu tant d'accule moi. Ta gueule! Y'a XCB en fait qui ne font rien pour le moment. Je sais pas hein! Ori, un ami qui vous veut du bien. I don't sense it. En vrai, comment tu sais ça, Mitu? Comment j'utilise mon nouveau pouvoir?
Genre une tentacule qui sort et qui m'aide, machin. Ah, les membres fondateurs du premier cercle de la famille Van Wattmer. On fait partie. Auparavant, les cultistes et les magiciens, les illusionnistes et les chamans, les alchimistes et les sorcières n'avaient pas de voix singulière ni de moyens de se défendre contre l'ordre. C'était la première fois dans l'histoire qu'ils formaient une alliance. Alliance, évidente. Selon eux, ils ont été les premiers à découvrir une dimension alternative que l'ordre considère comme aujourd'hui, encore aujourd'hui comme l'enfer. Les membres fondateurs l'ont adopté. Et toi, t'appeler cette dimension les limbes. Premier des neuf cercles. Chercher à compétence. Bon, j'imagine que c'est tatouage. Inventaire dans le sac peut-être. Note. Ah oui, compétence. Bah ça je sais. Ah ah. LT. Prise sur L plus RT. Bon. Ah, j'ai réussi. Là, je me suis fait retourner, mais j'ai réussi. Qui s'appelle prise, c'est maintenir. Ah! J'étais là ou pas? On va dire que oui. Je sais pas où j'étais. Pas du tout. Ah oui, je suis allée par là. Là, je suis pas tombée la première fois. Mais merde! Pas peu réactif, Bénédicte. Tu me saoules tout le monde, Bénédicte. J'avais déjà essayé. Mais j'ai réussi! Là, je descends, je descends, je descends. Et du coup... Là, ça fait quoi? D'accord. Maintenant, je fais ça. Ça a raté. Est-ce que je leur fais mal au moins en faisant ça? J'ai pas l'impression hein. J'ai l'impression juste je les fais se balader un peu. Mais pourquoi là je peux faire R? Définis une direction avec RT et tentacules vont sortir de ton corps dans la direction annoncée. Parfois utile contre certains types de mobs. Pour l'instant, ça n'en fait pas de dégâts. Ah, ça n'en fait pas de dégâts. Oh, ça, je vais ouvrir ça. Moi, j'ouvre pas ça en fait. Non, ça va être un boss là, je le sens. I can feel the boss tonight. Arrête! Ta gueule. Let's go. J'ai tout exploré ici. Oh, pas hein. Je crois que j'explore pas tout du tout. On va aller tester.
Ah, c'est pour dire esquive car ils font leur combo. Ah, j'avais l'impression qu'ils étaient sonnés. Et que du coup, bah, au contraire, fallait que je fasse un. Genre un finish him. Sauf que R, c'est une direction. Enfin, c'est les joysticks, du coup, bah, ça faisait rien quand même. Voilà. Un gain. Je veux pas redescendre. J'allais déjà par là. Oh ok. Ah vas-y, ça m'a saoulé. Je vais rechanger ma vie. Par là, hein. Non. Non. C'était où? Ah, mais c'était loin. Ça va, on sait bien. Me permettre de rappeler un truc de base que je me suis servi qu'à la fin alors que c'est très utile. Ouais, vas-y, je veux bien. Je me fais soulever. Je suis coincé là! J'étais juste coinsax. On voit le côté enquête, hein. Au moment. Ah, dingue, hein. Clé. Ah voilà, c'est celle-là. En fait, elle est pas combinée du tout des clés, fallait juste trouver la bonne. Là, bah encore une porte chelou. Je peux rien en faire. Ah, si, je peux en faire un truc. Prendre. J'espère qu'il y en a pas autant. Ok. Non, je peux en faire. Version chargée de ton attaque. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison. J'avais aussi complètement oublié ce truc. Totalement. Ouais, ça me barre. C'est un signe. Dans une mauvaise mine de charbon. Ah oui, il y a peut-être moyen d'aller quelque part par là. Je vais aller voir. Ah ! Je sais plus comment on vise. Arrête ! Arrête ! Mémoire. Ah, on a un truc audio. Ok. T'es tous les mémoires de Madame Floyd. Ah mais... Tu saoules de fou en fait. Je vais vite fait me recharger en vie. Bon, l'ambiance sonore est quand même pas dingue. Très dommage.
Là, j'ai rien à faire là. Non, pour le moment. Ah ben attendez, peut-être que j'aille au bout, il y a un truc, ouais. Ah s'il y avait une porte, punaise, ah, fallait la voir. Hein. Ah et c'est la porte que... ok. C'est la porte raccourcie. Ok. Et ben on va se téléporter. Merci Infernalou, très bonne nuit, pardon, j'avais lu ton message et j'y ai répondu dans ma tête. Très bonne nuit, des bisous. On va remonter à la maison et... Ah c'est du raid. Comme ça au moins, j'oublie pas de lui dire bonne nuit, tu vois. On va aller voir papa. Enfin, tu mets la tête du premier cercle. Mais après la guerre, ils ont soudainement disparu. Beaucoup ont supposé que le vieux Von Bossmer était devenu fou après la mort de sa femme. Mais ce sont peut-être que des rumeurs. Oui. On va écouter ça. Pas fou, pas fou. Raid de 1, a-t-il à tout casser? On va ouvrir le coffre là-bas. Il y en avait un autre, je sais plus où. Ah, il y en avait deux là-bas. Oui, il y en avait un ici. Une clé 10. Ah mais j'ai deux clés 10. Donc ce sera pas bon. Ah non. Ah non, non, pas du tout, c'est pas la même. Bon. Ah non, alors ça, ça veut pas machin. J'imagine. Ouais, c'est clé du mystérum, alors c'est pas bon. J'ai tenté. Ça me saoule. Non, je veux... Je vais... Comment je fais pour l'enlever de... Pour ne plus la sélectionner. Maintenir pour ranger la clé. Je veux ne... Ah c'est peut-être X juste pour prendre. Oui c'est ça, X, ok. Excusez-moi, je voyais pas. C'est ma faute. Je laisse tâtonner, c'est le meilleur passage du jeu, le tâtonnement. Ouais, c'est vrai. En général dans ces jeux-là c'est ce qui est cool. Ça part d'essai non plus. En tout cas, je peux rien faire. À part sélectionner, changer les clés et retour. Ok. Le jeu avec son... Faut tâtonner le jeu avec son consentement par contre, c'est à fait. Mais en tout cas pour le moment je pense que je vais arrêter là. Pas mystérieuse. Est-ce que j'ai de quoi faire? Non pas du tout. Ah si 80. J'ai peut-être assez, j'ai peut-être assez. Let's go.
première alerte de bonne nuit en fait. Mais oui, c'est ça hein, le raid hein, pour souhaiter bonne nuit, c'est une trop bonne idée. Hein. Je vais arrêter la VOD ici, des bisous VOD. C'était The Last Case of Benedict Fox. Bye bye.